Après un premier mandat au conseil régional, pour la région de la Mé, nous sommes venus vous voir en octobre dernier pour vous demander un second mandat. Et vous nous avez écoutés, vous nous avez entendus et vous nous avez renouvelé votre confiance. Tous les conseillers présents ici, ainsi que moi-même, nous sommes venus aujourd'hui vous dire merci. Nous allons donner à l'épée la primauté et la priorité. Pour que cette région se crée, il a fallu que le département d'Alepé accepte de rejoindre les trois autres départements, Yakassatogo, Akoupé et Azopé, pour que la population de la région mérite qu'on crée une région. Et ça n'a pas été facile. Merci donc à Alepé. Et Alepé aura à la mesure de ce qu'il a donné. Cette proximité d'Abidjan, il faut en tirer profit. Parce que Abidjan, grand district, population d'environ 6 millions d'habitants, a besoin de tout. Et ce tout-là, on peut le produire ici à Alepé pour le fournir à Abidjan. Il suffit de savoir s'organiser et de savoir nous entraider. Les femmes, vous allez être notre priorité des priorités. On n'a pas le choix. Si je donne l'argent aux hommes, je ne suis pas sûr de l'endroit où ça va. Mais quand je donne l'argent aux mamans, là, ça va où? Ah, c'est ça? Ça va chez les enfants. Ça va chez le papa. C'est ça qui est la vérité. Hein? Et c'est pour ça que de nombreux projets seront réalisés pour promouvoir les femmes, pour promouvoir les coopératives, pour promouvoir leur commerce. Parmi vous, les jeunes également, on fera en sorte que beaucoup aient des emplois parce que beaucoup de jeunes sont reconnaissants. Et que quand ils travaillent, le premier salaire qu'ils touchent, ils viennent donner à leur mère. Ils viennent donner à leur père pour avoir des bénédictions. Le conseil régional fera sa part et fera toute sa part. Mais quelle que soit la volonté de ce conseil régional, elle ne pourra pas transformer en profondeur nos sociétés, nos villages et y rendre la vie meilleure si le conseil régional n'a pas le soutien, la contribution des chefs, des jeunes, des femmes et surtout, surtout des cadres. Parce que c'est eux, s'ils veulent arranger, qui peuvent arranger le mieux, et c'est eux qui, s'ils veulent être nuisibles, peuvent être les plus nocifs. J'ai foi en vous, j'ai confiance en vous, et vous avez confiance en moi. Et pour cela, ensemble, nous allons réussir. Et nous allons faire ensemble que le rêve que nous avons pour Alepé soit une réalité. Merci, merci, merci. Bon dimanche à tous.